Concentrez-vous à prendre pour époux M. Franguet, Hervé Mbouquen, ici présent. Oh oui! D'être là aujourd'hui et de pouvoir te faire arriver ce témoignage. Parce que je dois être court, je ne vais pas lister l'ensemble des qualités reconnues chez toi. Mais la première d'entre elles est probablement la responsabilité. Tu t'es substitué à mes parents
en me guidant pendant mes études et tout au long de mon parcours professionnel. C'est avec une extrême fierté que je te le dis, Hervé. Ce que je suis aujourd'hui, je te le dois sincèrement. Je te le dois vraiment. C'est une bonne partie grâce à toi. La deuxième qualité, c'est la charité. Ce qui me vient à l'esprit est une pensée d'un écrivain du XVIIIe siècle, Rémy de Gourmont. Il dit « Le principe de la charité est le don gratuit, pur et simple, sans désir, sans espérance et sans but. » Rien ne saurait mieux exprimer cette deuxième qualité, et je dirais peut-être plus cette vertu dont tu es doté, Hervé. Nombreux sont parmi nous ici, que ce soit ta famille, tes amis, tes frères, qui avons bénéficié de ta générosité. Pour décrire ce que je ressens pour toi, j'emprunte les mots de Marguerite Yourcenar. Aimer les yeux fermés, c'est aimer comme un fou. C'est éperdument accepter. Je t'aime comme une folle. Marguerite Yourcenar. Je te promets d'être toujours à tes côtés, dans toutes les circonstances, et t'aimer pour toujours, jusqu'à mon dernier souffle. Maintenant, voilà, tout le monde sait que je ne suis plus sur le marché. Elle non plus n'est plus sur le marché. Je te remets cet anneau, signe de mon amour et de l'alliance de Dieu avec nous ce jour pour votre amour. Vous voyez bien. Traverser le fleuve pour aller chercher vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très fort.